Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant voir une méditation dans laquelle nous allons faire une considération générale de toute la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez tous, la troisième semaine des exercices spirituels est consacrée à la considération de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. L'idée directrice de toute cette semaine est que nous puissions, une fois que nous avons réformé notre vie dans la deuxième semaine, conformer cette réforme à l'exemple du sacrifice de Jésus-Christ afin d'être encouragés sur ce chemin ardu de la sainteté. Le premier prélude que nous allons faire, la pierre préparatoire, qui est la même que dans tous les exercices, consiste à demander à Dieu notre Seigneur que toutes mes intentions, toutes mes actions et toutes mes opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de Sa divine majesté. Comme cette méditation est générale de toute la passion, nous n'allons pas prendre une histoire concrète ou un mystère concret concrète de la passion de Jésus, comme la dernière scène, la flagellation, la crucifixion, les paroles, etc. Mais nous allons regarder l'ensemble de la souffrance du Christ pour nous. Je vous recommande à tous de faire une lecture complète du texte de la passion. De l'un des évangélistes, ce que vous choisirez, au cours de cette semaine, ou pendant le reste du carême, une lecture méditative, attentive, qui nous permettra d'entrer d'une certaine manière dans le cœur de Je suis pendant le temps de sa Passion. Vous savez ici le, le texte, les citations du texte de la Passion dans les différents évangélistes. Comme composition de lieu, nous allons nous placer au sommet du calvaire, point culminant de toute la passion. Comme pétition de la méditation, nous ferons comme dans la contemplation de la scène, c'est-à-dire nous demanderons la tristesse, la douleur, la confession, puisque c'est pour mes péchés que le Seigneur va à sa passion. Bien, le matériel de méditation, le, 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 le sujet de méditation que je vais vous proposer est très simple et très profond en même temps. Nous allons suivre, en effet, comme nous l'avons fait aussi dans la méditation sur la nativité de Jésus, nous allons suivre, nous allons suivre les commentaires de saint Thomas d'Aquin sur le Credo, sur les mots à souffrir sous Ponce Pilate a été crucifié et mort et a été enseveli. C'est quoi Saint Thomas commence à dire, Comme il est nécessaire aux chrétiens de croire à l'incarnation du Fils de Dieu, il lui faut croire également à sa passion et à sa mort. N'être né nous eût été utile à rien, disait en effet Saint Grégoire, si nous n'avions pas était racheté. Or, le fait que le Christ, dit saint Thomas, soit mort pour nous est une vérité très élevée que notre intelligence peut à peine saisir. Puis en plus, elle ne viendrait même pas à l'esprit. C'est ce qu'affirme saint Paul dans le livre des Actes des Apôtres Je vais, Didier, accomplir une œuvre en vos jours. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et de même, le prophète Abacouc, une œuvre a été accomplie en vos jours que personne ne croira quand on la lui racontera. Et conclut saint Thomas, la grâce de Dieu en effet et son amour pour nous sont si ronds que ce qu'il a fait pour nous dépasse ce que nous pouvons. Comprendre. Il déclare, saint Thomas, ensuite, qu'il ne faut pas comprendre dans la passion que la divinité soit morte, mais que c'est l'humanité qui souffre pour nous. L'humanité qui est sacrée par-dessus tout, parce qu'elle est unie au verbe de Dieu. Cela nous rappelle l'avertissement de saint Ignace, quand il nous dit Je considérerai, selon le passage de la passion que je contemple, c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur, souffre ou de souffrir en son humanité. Ici, je commencerai à réunir toutes les forces de mon âme pour m'exiter à la douleur, à la tristesse, aux larmes, ce que je ferai avec la même application dans les points suivants. Après les ignace je considérerai comment la divinité reste cachée durant toute la passion du Sauveur et pourrait détruire ses ennemis, et elle ne le fait pas. Et elle abandonne au plus qu'il le tourment, la très sainte humanité qui lui est inutile. Et à la fin de aussi Saint-Ignace, je considérerai que le Sauveur en dire toutes ses souffrances pour mes péchés. Et je me demanderai ce que je dois faire et souffrir pour lui. Après cette explication, Saint Thomas continue, et nous allons suivre son enseignement, dis lui, mais quelle nécessité y avait-il à ce que les verbes de Dieu souffrent pour nous Il va répondre, c'était très nécessaire. Et nous pouvons donner deux raisons de cette nécessité, dit Saint Thomas. D'abord, les souffrances du Christ, en effet. Était nécessaire en premier lieu comme un remède à nos péchés et en second lieu comme un modèle de nos actions. Il va expliquer. D'abord, ces souffrances nous sont un remède. En effet, dans la passion du Christ, contre tous les maux que nous encourons par les péchés, nous trouvons un remède. Or, le péché nous fait encourir cinq maux. Et, premièrement, il nous L'homme, en effet, par le péché, souille son âme, car comme la vertu et la beauté de l'âme, le péché souillure Mais cette souillure, la passion du Christ, l'a fait disparaître. Le Christ, en effet, par sa passion, a préparé un bain, bain dans son sang pour y laver les péchés. Il nous a lavé de nos péchés, dit Saint-Jean dans son sang. En ce qui est lié par le péché, nous encourons la disgrâce de Dieu. De même en effet que l'homme charnel aime la beauté charnelle, ainsi Dieu, lui, aime la beauté spirituelle, qui est la beauté de l'âme. Quand donc l'âme se suit par le péché, Dieu est offensé et il prend en haine le pécheur. Dieu dit en effet la sagesse, le livre de la sagesse dans la Sainte Écriture, Dieu est l'empire et son impiété. Mais cette haine, le Christ l'efface par sa passion. Par elle, en effet, il a satisfait à Dieu le Père pour le péché, car l'homme de lui-même ne pouvait pas satisfaire pour ce faute. Je suis à bien satisfait. Parce que sa charité et son obéissance furent plus grandes que le péché des, derniers, des premiers hommes et sa désobéissance. Alors que nous étions les ennemis de Dieu, dit Saint Paul, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son fils. <laughs> en troisième lieu, le péché nous affaiblit. Car l'homme a pris un premier manquement à pouvoir ensuite se garder du péché, mais tous les contraires lui arrivent, la première faute en effet l'affaiblit et le rend plus enclin au péché, à pécher. Ensuite, le péché le domine davantage et autant qu'il dépend de lui, il se met dans une situation telle que sans la puissance divine, il ne peut se relever. Il est comme un homme qui se jeterait dans un puits. Après le péché, notre nature fut donc affaiblie et corrompue, et l'homme se trouva plus enclin à pécher. Mais le Christ a diminué cette faiblesse, cette infirmité, bien qu'il ne l'ait pas supprimée entièrement. Sa passion a fortifié l'homme et affaibli le péché, si bien que nous ne sommes plus autant dominés par lui. Aidés par la grâce de Dieu, et nous confère le sacrement dont l'efficacité vient de la Passion du Christ, nous pouvons faire des efforts efficaces pour nous dégager du péché. En quatrième lieu, par les péchés, nous encourons l'obligation à une peine. La justice divine exige que quiconque pêche soit puni, et ce châtiment doit se mesurer d'après la faute. Et comme la faute du péché mortel est infinie, par elle, en effet, le pécheur se lève contre les biens infinis, c'est-à-dire Dieu dont il méprise les préceptes. Alors, comme la faute du péché mortel est infinie, le châtiment dû au péché mortel sera lui-même infini. Mais le Christ, par sa passion, nous a enlevé cette peine lui-même l'a suivi à notre place. Comme l'écrit Saint-Pierre dans sa première épître, il a porté lui-même dans son corps nos péchés, c'est-à-dire la peine de nos péchés, car la vertu de la passion du Christ est si grande qu'elle suffirait à expier les péchés du monde entier, même si leur nombre était infini. C'est pourquoi les baptisés sont purifiés de tous leurs péchés. De là vient aussi que les prêtres remettent les péchés. Et que quiconque se conforme davantage à la Passion du Christ reçoit un pardon plus complet et mérite plus de grâce. En cinquième lieu, le dernier, le péché est cause de notre bannissement du royaume de Dieu. C'est un effet qui offens, qu offense les rois sont forcés de quitter le royaume. Ainsi, Adam, à cause de son péché, aussitôt après l'avoir commis, fut chasser du paradis dont la porte fut fermée. Mais le Christ, par sa passion, a ouvert cette porte et il a rappelé les exilés dans le royaume. En effet, quand le côté du Christ fut ouvert, la porte du paradis le fit aussi, et par l'effusion de son sang, la souillure du pécheur fut effacée. Dieu fut apaisé. La faiblesse de l'homme est guérie, sa peine expiée, les exilés rappelés dans le royaume. C'est pourquoi le Christ déclara aussitôt au bon Lajon qu'il implorait, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ceci ne fit pas dit auparavant à qui que ce soit, ni à Adam, ni à Abraham, ni à David, mais aujourd'hui, c'est-à-dire dès que les portes du paradis furent ouvertes. Le bon Laron implora son pardon et l'obtient. C'est pourquoi l'apôtre pouvait écrire aux Églises Nous avons la liberté d'entrer avec confiance dans les sentiers par le Saint du Christ. Comme nous venons de le montrer, on va dire saint Thomas La passion du Christ était donc un remède très utile contre les maux que nous encourons par le péché. Mais son utilité n'est pas moins grande pour nous servir d'exemple. Et c'est une chose que nous devons considérer et méditer. La passion du Christ, dit Saint-Augustin, suffit à nous instruire complètement de la manière dont nous devons vivre. Quiconque en effet veut mener une vie parfaite n'a rien d'autre à faire que de mépriser ce que le Christ a méprisé sur la croix et de désirer ce qu'il a désiré. Il n'est pas en effet un seul exemple de vertu que ne nous donne la croix, il va dire saint Thomas. Cherchez-vous un exemple de charité. Personne, dit le Christ, ne possède une charité plus grande que celui qui livre sa vie pour ses amis. C'est ce que lui-même accomplit sur la croix. Si donc il a donné sa vie pour nous, il ne doit pas nous être pénible de supporter pour lui n'importe quel mal. Cherchez-vous un exemple de patience. Vous en trouverez un très excellent sur la croix. Des caractères, en effet, manifestent la grandeur de la patience, ou bien souffrir patiemment de grands ou endurer ce qu'on pourrait éviter, mais qu'on ne cherche pas à éviter. Or, le Christ sur la croix a enduré de grandes souffrances. Aussi, il peut s'appliquer les paroles de Jérémie dans les lamentations. Ô oh, vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il y a une douleur semblable à ma douleur. Et ces grandes souffrances, le Christ les a souffertes avec patience. Lui qui maltraitait traité, dit Saint-Pierre, ne faisait pas de menaces. Il était, déclare Isaïe, comme la brebis que l'on mène à la Thierry, et semblable à l'agneau, mieux devant ceux qui l'étendent. En outre, le Christ aurait pu éviter ses souffrances et il ne l'a pas fait. Lui-même le dit à son apôtre Pierre lors de son arrestation à Gethsemane Crois-tu que je ne puisse prier mon Père et il me donnerait aussitôt plus de douze légions d'âge Rende-fille donc, dit Saint Thomas, la patience du Christ sur la croix. Aussi l'apôtre écrit-il aux œuvres. Courons avec patience dans le combat qui nous est préparé, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de notre foi, qui l'a conduit à son achèvement, lui qui, alors que la joie lui était offerte, a souffert la croix sans regarder à la honte. Continue à dire Saint Thomas, cherchez-vous un exemple d'humilité. Regardez les crucifié Dieu, en effet, voulu être jugé sous ce pilate et mourir. Votre cause, Seigneur, pouvons-nous lui dire a été jugée comme celle d'un impie Oui, vraiment comme celle d'un impie, car ses ennemis ont pu se dire entrer, condamnant-les à une mort honteuse. Le Seigneur voulit donc mourir pour son serviteur et la vie de saint Jésus L'homme. Comme l'apôtre l'écrit aux Philippiens, le Christ Jésus s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Je vous un exemple d'obéissance. Suivez celui qui s'est fait obéissant à son Père jusqu'à la mort. L'apôtre dit aux Romains, de même que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude fut constituée pécheresse, ainsi pour l'obéissance d'ancel la multitude sera constituée juste. Je vous un exemple de mépris des biens de la terre. Suivez celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse, et qui, cependant, sur la croix, apparaît nu, objet de moquerie. Conspier, frapper, couronner d'épines, ablever de fiel, de vinaigre, de mise à mort. Ne vous laissez donc pas émouvoir par les habits et par les richesses, car les soldats se partagèrent mes vêtements, dit l'Epsom. Ne vous laissez pas émouvoir non plus ni par l'honneur, car moi je suis, j'étais l'objet de leurs risées et de leurs coupes. Ni par, les ind... Ni par les dignités, parce qu'il tressèrent une couronne d'épines et la plaçait sur ma tête. Ni par les délices, car dans ma soif, ils me firent boire du vinaigre. Au sujet de ces paroles de l'Épître aux je suis alors que la joie lui... lui était offerte à souffrir la croix sans regarder à la honte. Saint Augustin écrit L'homme, vieil Jésus-Christ, a méprisé tous les biens de la terre. Pour nous, pour nous apprendre que nous devons les mépriser. Jusqu'ici, euh, une suite générale du commentaire de Saint Thomas d'Aquin sur les credo, de ce commentaire, l'issue de Saint Thomas, nous pouvons réfléchir si certains de ces points pour essayer de comprendre de mieux en mieux dans la mesure de nos limites, l'immense grandeur des sacrifices que le Christ a voulu faire pour chacun d'entre nous. Enfin, nous allons faire un colloque avec le Christ sur la croix et avec notre Mère, la Vierge Marie, qui se tient aux côtés de son Fils jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.